Bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de l'heure que vous regardez la vidéo, ça. Ok? I am Mark, your English teacher, who has for mission to help you improve your English. Ok? So, I choose to teach you phrasal verbs because they are considered to be the most difficult things in English. So, I want you to pay attention to my explanations because I want to make you understand what they are exactly. So, I want you to remove from your mind that English is difficult because such conception will hold you back. Ok? Donc, en nos parties. Qu'est-ce que ça me dit? Je dis comme ça que, normalement, qu'est-ce que les main verbs, qu'est-ce que les phrasal verbs? Ok? Main verb, normalement, ils sont privés de prépositions, mais lorsque vous avez une préposition qui est ajoutée avec vous, normalement, vous avez les phrasal verbs. Ok? Donc, à ce moment-là, on a choisi pour nous étudier ça relève to carry. To carry, normalement, ça relève au main verb. Mais lorsque il y a une préposition qui est ajoutée avec lui, sans aucun doute, ça relève au phrasal verb. Ok? Un par exemple, comment carry est capable de transformer comme un phrasal verb? Par exemple, to carry out. Phrasal verb, par exemple, c'est ça. To carry away. Phrasal verb. To carry up. Phrasal verb. To carry off. Phrasal verb, to carry over. Phrasal verb, to carry through. Phrasal verb. Asan ba étudier deux phrasal verb avec to carry. Nous devons prêter attention à ça dans le temps là. Ok, on garde pour nous. Avant même que moi arrive dans phrasal verb to carry over ou bien to carry through, bon parler de main verb là qui s'allie d'abord. Ok, to carry basically means porter in French. Ok, to carry is when you move something and you hold it. Okay, when you move something, okay, and you hold it, this means you carry something. So, by que ou déplacer et pour qu'un bill, le ça, son bagage ou poté, sans aucun doute. Okay, par exemple, là, si que gon boîte la m'poté là, okay, ma poté, moi dis, I'm carrying a box, ma poté en boîte. Pas un mot sinon ça, hein, to carry, okay, moi lever boîte là et puis tombe toujours qu'un bill. Le ça, je porte cette boîte, okay, I'm carrying a box. Ok, et c'est son table ma pote. Pas de mentir dans ça. Ma pote table là, qui c'est sous tête moi, qui c'est dans même. Quand même, ma pote li. Et ça me dit, I'm carrying a table. Pas de mentir dans ça. Ok? On suppose que normalement, ou son diète l'emmené pour une jeune fille qui a marché. Ou qu'a dit, fia, may I carry you up? Oui, et c'est mon capote, tout me le vent là. Oui, may I carry you? Et on l'autre exemple encore. Donc, si que nous, mon capote, une boîte. Mais ça dit mon n'a pas ton boîte par exemple ou veut dire mon ou veut m'aider pour tes boîte ça on va dire mon may I help you carry this box ou veut m'aider pour tes boîte ça may I help you carry this box on suppose que normalement son monde qu'a porté OK on y a un objet quelconque et puis do aider me porter à la chambre moi mon n'a do may you help me carry it to my room. Ok, may you help me carry it to my room. Ok, son objet que la porter. Ça c'est carry. Donc maintenant ça tout le monde peut comprendre ça, hein? Même mon petit bébé, ok, même un nouveau né, comprendre ça. Juste dire qui ça carry et puis tout. La forme phrase, la forme phrase. Pas vraiment ça. On a les connards pour nous connards. Lorsque tout carry connards va transformer comme un phrasal verb. On te dit comme ça que action après deux carry over and carry through. OK, on a les bon ouais. Carry over. So, carry something over to another place means c'est traîner derrière soi une pratique, une habitude, une connaissance, une habilité de lieu à un autre lieu. OK? Une qualité ou un défaut. Et même bagarre là. A dit, quando son qualité que m'te gagné l'aime t'habiter tel côté, mal habité on l'autre côté, on toujours gagné qualité ça. Son défaut, m'te gagné l'aime t'habiter tel côté, l'aime à l'habiter l'autre côté, on toujours gagné défaut ça. Ça veut dire moi traîner défaut ça derrière. Laisse ça, moi carry défaut ça over tout côté moi rester là. Autrement non, ça dit moi carry OK défaut ça over tout côté moi pral rete ya. An par exemple,
Si que par exemple là, nous par exemple de John, un certain John par exemple, monsieur était égoïste, il était habité au Cap, mais lorsque Livin habitait Port-au-Prince, il est toujours égoïste. Ça veut dire monsieur traîné égocien du Cap haïtien à Port-au-Prince. Est-ce qu'on l'a, hein? Donc là, ça me dit, John carried his selfishness from Cap Haitien over to Port-au-Prince. Really? Est-ce qu'on l'a dit? John était égoïste, il était égoïste au Cap, mais toujours vu Port-au-Prince, il est toujours égoïste. John carried his selfishness from Cap Haitien over to Port-au-Prince. Il y a une comparaison après que John carried, normalement, carry. Faut le conjuguer. Faut le conjuguer. Donc, John, c'est sujet. Hein? John carried, ça c'est carry. Hein? Something is selfishness. Laisse à something là, c'est is selfishness qui est something. Hein? Over to, pas changer. Donc, another place, c'est Port-au-Prince. John carried his selfishness over to Port-au-Prince. OK. Let's take another example. Un autre exemple. On suppose que normalement, n'a pas le peuple haïtien. Nous connaissons très bien que le peuple, nous, normalement, la caille, nous fait ça, nous voulons, nous pipi dans la rue, j'en oublie, nous ont volume radio, j'en oublie, nous déranger l'autre monde, j'en oublie. Bon. Bref, finalement, nous avons une vieille habitude de la caille, nous. Ok? Et si vous voulez dire, par exemple, le peuple haïtien pas jamais traîné vieille habitude liyo, l'elle praler dans le pays étranger. Pas bien, donc, carry something over to another place, c'est l'autre traîné, on bagay ko gen nan ou menm, defo men kalite, ou trene l kon kote te, e wito, ou ale avèl lòt kote. Men, kon sa tou, mwen dwa vle tradwi tou ke, defo mwen te gen tel kote, a mwen pa ale avèl tel kote, se tou men mal, men sauf ke, fraz la vi nan la form negatif kon ya. Donc, si mwen di ke pep ay se pa jom trene defo, ou mwen vi abitud li gila ka ale, ale on lòt kote. Le sa mwen kapab di, Haitian people never carry their bad habits over to another place. C'est dit me là peuple haïtien même qu'on voit son peuple qui a fait toute sale de la caille mais lorsque le rivière l'autre côté il stopper ça sec il pas fait. OK, ça veut dire ouais là peuple ça il pas marché ou bien pas traîner vie habitude lien d'elle. OK? Donc exemple ça normalement c'est qui ça c'est Haitian people never carry their bad habits over to another place. C'est ça, les îles là. Un pour l'autre exemple pour nous, qu'on y a là. Et si m'avais dit, peuple haïtien, même, son nation, l'eau et la Kali, il fait salver. Mais là, les États-Unis, il va jamais faire salver. Elle dit, vieille habitude, il pas pratiqué aux États-Unis. Il va traîner derrière. Le Sam, capable dit, Haitian people never carry their bad habits over to America. Est-ce que là, Haitian people never carry their bad habits over to America. C'est dit, ouais, peuple haïtien, il va me traîner via habitude aller aux États-Unis. Il va jamais faire ça. Un autre exemple encore. Est-ce que vous avez dit, par exemple, là, que, ouais, Marie, t'es con à faire vaudou en Haïti, parce que toi, dis, culture, nous, c'est vaudou. Il était toi pratiquer vaudou en Haïti. Là, les États-Unis, il toujours fait bagaille ça. Il traîne via habitude ça d'elle. Il toujours fait. Fabliez que Marie sorti Haïti, un lieu, l'aller dans l'autre lieu, ok? Mais qu'on y a là, guion pratique que le te compte fait Haïti là avec les États-Unis toujours. Le samka dit, Marie a carried her voodoo culture over to America. Really? Est-ce qu'on one? C'est Marie traîner culture voodoo lia à l'États-Unis avec Maria. Carried her voodoo culture over to America. Ok. An nou pou lote ki sa fa kon. Ok. An suppose ke lote l'ekol te tre fo. L'ekol. E pi ou aplike pou travay yore lo pou interview. Kou na lo ale nan job interviewer. E so yam nou, nan interview job la. Nan job interviewer. Lo ale nan job interviewer. Kou na la, ou vle di interviewer ke... Ah, et compétence que m'de gagne l'école là, normalement, donc, m'ka mette li au service de, compagnon. C'est-à-dire, m'ka traîne même compétence ça là, puis m'vin mette là, tout. Est-ce que vous comprenez? Les ça, qu'a dit, you know, dear interviewer, I can carry my proficiency that I acquired at school over to your company. I can carry my proficiency over to your company.
OK? Donc ça c'est le dernier exemple pour ça relé carry over qui sont phrasal verb. Pas bien donc comme ça que native yo, yo utiliser en pile donc dégager même normalement là pour qu'on comprenne. M'a fait donc comprendre, n'a fait exercice donc au même force ça. On aller pour moi. Deuxième phrasal verb avec carry donc voilà c'est carry through. Carry through. OK. So carry someone through something basically means when you help someone get over a difficult situation, a difficult moment. C'est lorsque vous aidez un monde surmonter un moment difficile. OK, ça c'est carry someone through something. Carry someone through something. C'est aider quelqu'un à surmonter un moment difficile. Exemple. Que ce soit yon monde qui t'a aidé me surmonter moment difficile ça ou bien yon chose qui t'a aidé me surmonter moment difficile ça ou bien yon animal également. M'ka di même malade c'est carry someone through something. Exemple. On nous prend que dans saison hiver qui sont saison vraiment froide que son côte qui t'a que m'te compte mettre sous moi qui t'a aidé me combattre froid ça. Le ça, on capable dire que this coat carried me through the winter season. OK, this coat carried me through the winter season. OK? Ça, son exemple. On tu vois que after my father's death, moi j'étais dans une profonde affliction. Après la mort papa, j'étais plongé dans une profonde affliction. Même mon ami qui t'est passé, ouais, monsieur dit ah, j'aimerais battre le figo là, mais c'est quelques versets bibliques pour me lire pour t'aider conforto. OK, obviously, certainement, Lily, OK, it takes OK, his Bible out and start reading some biblical verses for me. Pendant que je applie pour moi comme ça vraiment moins conforté. Mais ça me capable dit un jour il va dire monsieur, those biblical verses carried me through my afflictions. These biblical verses, okay, carried me through my afflictions. Donc, normalement, c'est là que moi t'ai avec nous là, donc pour vidéo ça, okay, que nous sommes étudiés normalement et phrasal verb, de phrasal verb avec to carry. Mais il y a plus, hein, il y a plus, hein, parce que nous va parler de carry out, nous va parler de carry off, nous va parler de carry up, nous va parler de yo. Donc, mais ça passe. Je voulais attirer l'attention. Je voulais que coup ça m'a fait pour le passer et que moi que abonner mieux comprendre quoi. OK, m'demande pour nous subscribe OK à channel là et puis tout fait le marché pour moi. Son coup qui vraiment important pile monde besoin qu'on ça les phrasal verbs c'est ben pile problème dans anglais. Mais pour monsieur que courant passer normalement, donc mon concours que m'a réalisé. M'a organisé un concours normalement avec abonné mio, mais lorsque m'atteint 10,000 abonnés m'a organisé concours ça. Donc pour monde gagner phrasal verb complet yo. Donc c'est juste sous numéro mon cash, mon numéro de téléphone, moi on juste faire yo transfert mon cash 100 goud, $20. On gagne toute phrasal verb au complet et puis le ça pour participer dans concours ça. C'est monde qui a c'est monde qui vient membre OK à leçon hein, c'est-à-dire l'aime de $20 ben 100 goud sur mon cash. C'est monde qui membre cours anglais hein, normalement qui cap participer. Non. Concours ça. Donc lorsque m'atteint 10,000 abonnés, donc c'est qui ça lié, c'est premier qui a prime de $10,000, $50,000, deuxième nan la nan $30,000, quatrième nan troisième nan pardon la nan $20,000 et puis l'autre duo c'est un téléphone cellulaire. Donc c'est comme ça. Ou juste et faut dépôt de 100 goud sur mon cash point. Et puis tout, nous participer dans le concours. Hein? Donc, mais c'est lorsque moi atteint 10,000 abonnés. Donc, moi dis nous merci. Donc, abonnez à la chaîne live et tout. Partagez le lien là pour moi faire le marché pour ce son qui est vraiment important. Pas oublier de dire que nous étudions deux phrasal verbs là. Donc, sous besoin de grand complet, on fait mon cash là. Et puis, tu as gagné le complet, son numéro de téléphone. Man. Donc, laissez pour moi commenter pour moi dans la vidéo ça. OK? Fais-moi cette impression. Non? Et puis, tout, mais ça me donne fait pour moi encore que nous formons pour moi au moins trois verbes en anglais. Il y en a c'est carry, main verb là, carry over
curry tout l'eau. Dame que nous fait ça pour moi, nous former trois verbes, trois phrases pour moi avec verbe ça yo. Merci, ciao. Rete et abonnez à la chaîne là. Bon Dieu bénis nous. Bye bye.